Bonjour tout le monde, vous avez toute l'image et le son, j'espère. On va démarrer, on va attendre encore une petite minute et on démarre. Si vous avez des questions, vous savez déjà taper dans le chat box. Il y a Jonathan qui est préparé pour vous donner déjà des réponses. On démarre d'ici une minute. Bonjour tout le monde, on va démarrer. Moi, je m'appelle Nico Watts et sur le Q&A, il y a Jonathan de Barmak, le pre-sales de chez Xvision. On est là pour vous aider, pour vous guider. Il y a 2 semaines, on a fait un webinaire du Cloud Storage Box et aujourd'hui, on va vous montrer un tout petit peu comment en pratique on va utiliser ça. Mais avant de faire cela, on va faire un petit recap de ce qu'on a dit la dernière fois. En effet, Pro Connect, c'est une plateforme pour les installateurs pour gérer les clients. Les clients, ils utilisent HeatConnect pour mettre tous leurs composants dedans, des enregistreurs, les panneaux d'alarme, l'intercom, ils savent gérer ça à la maison. Mais pour l'installateur, LeakPro Connect est la plateforme à utiliser pour gérer et configurer et toutes les fonctionnalités de suivi. On appelle ça Healthcare Monitoring avec les clients. Alors, comme je viens de dire, HeatConnect, c'est pour l'utilisateur final et HeatPro Connect, c'est pour l'installateur. Ce qui est très important pour les gens qui utilisent Android, utilisez le lien en bas pour trouver les 2 applications sur votre Android, téléphone Android. Très important, là, on trouvera toujours la dernière version pour installer chez un client. Du moment que l'app est installée, il va automatiquement faire un update quand il y a des updates. Mais pour la première fois, c'est très important d'utiliser ce lien ici en bas pour télécharger les APK, on appelle ça, sur le téléphone Android. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas 2, 3 et 4. Mais avant de démarrer sur pas 2, 3 et 4, on doit authentifier votre compte. Dernière fois, j'ai mis l'importance pour cela. Une fois un compte est à vérifier, authentifier, on peut créer des clients, des sites, ajouter un box et activer l'enregistrement. C'est très important d'avoir une licence HeatPro Connect activée. Alors, comment ça marche? Du moment que vous êtes dans le HeatPro Connect, la page web, il y a un petit page qui dit ah, vous êtes autorisé ou pas autorisé. Si vous n'êtes pas autorisé, c'est une question de Authenticate Now. Il y aura un mail qui suivra, que vous devez envoyer, que vous devez envoyer à votre distributeur. Il va vous prévoir un code pour être authentifié. Alors, quelle est la distinction entre les 2 versions, authentifié et pas authentifié? Authentifié, ça vous donne voir la liste. Vous aurez accès à la liste prix. Vous aurez des périodes d'essai. Vous savez acheter des packages online ou via les distributeurs. Quand vous êtes dans la version gratuite, vous êtes limité à 1024 appareils et aucune fonctionnalité pratique. C'est seulement configuration et avoir accès. Alors, comment ça marche l'authentification? On se log dans le système HeatPro Connect. On fait un login. À ce moment-là, vous allez prendre le menu à gauche, aller en Société, Company en anglais. On tape sur Company Information. En Company Information, vous voyez directement qu'on est authentifié. Si vous n'êtes pas authentifié, il y aura Not Authorized, pas autorisé. C'est question d'appuyer sur le bouton et de l'activer et de faire le suivi. Très important, autrement, les pas qu'on va expliquer maintenant ne vont pas marcher. Alors, une fois que vous êtes authentifié, on va aller dans le deuxième pas. Ça veut dire qu'en business, vous savez voir les services que vous avez accès. À ce moment-là, du moment où vous êtes authentifié, vous savez ajouter des appareils plus que 1024 et d'ajouter des licences cloud storage, des licences healthcare, les licences pour les employés. Avant, vous n'avez pas accès. Vous devez être, c'est obligatoire d'être relié à un distributeur pour faire le suivi. Alors, une fois, après la vérification d'un compte HeatPro Connect, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait faire tout ce qui
Et healthcare monitoring, en achetant ça, on sait faire des packages pour le stockage, on sait acheter plein de trucs. Il y a deux manières pour acheter ces trucs en logiciel. C'est en ligne via le portal ou via le distributeur. Via le distributeur, ce qui est très chouette de faire ça via le distributeur, c'est la relation avec le distributeur que vous avez pour vous donner du support sur les produits que vous achetez. Si vous le faites online, c'est une question de connaître les produits que vous ajoutez dedans. Par exemple, maintenant, les HIC Pro Storage Box dans le cloud, on va vous montrer comment ça marche. Vous savez toujours revoir la session qu'on fait aujourd'hui, mais s'il y a un technicien de chez vous, il veut savoir comment ça marche, il peut reprendre le webinaire qu'on fait maintenant, il peut appeler son distributeur pour avoir du support. Alors maintenant, on tombe dans la technique. Il y a Jonathan qui est dans le Q&A pour les questions techniques. Il est encore réveillé, j'espère. Il est en train de dire oui là. Alors, on démarre. Que peut le CloudServer? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand vous mettez des caméras chez votre client, on peut attaquer les clients. Les clients, à ce moment-là, ils peuvent ajouter des canaux dans le box. Il y a les caméras, indépendant de la résolution du caméra, le box, il va transcoder ça. Transcoder, ça veut dire qu'une image d'une résolution, dans ce cas-ci très haute, va être diminuée en qualité vers une autre résolution. On peut choisir de mettre 8 canaux à 2 mégapixels, 4 canaux à 4 mégapixels ou 2 canaux à 8 mégapixels. Ce qui est très important à savoir, dépendant des caméras et la vue du caméra et le besoin du caméra, c'est de choisir le transcodage parce que le box il est limité à ces trois choix. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de configurer les événements à ce moment-là. Franchissement de ligne, détection de région, détection de mouvement. Ce que vous savez aussi faire à ce moment-là, et ça c'est très important, c'est de tester la capacité du stockage. Alors, on dit maximum 1080 à 10 frames par seconde. Ça veut dire que si vous utilisez les canaux comme vous voyez ici en bas, le nombre d'images par seconde diminue. Si vous prenez 8 canaux, ça vient à 6 frames par seconde. C'est très important à savoir cela parce que si vous avez, par exemple, que 2 canaux à faire, à ce moment-là, on peut envisager de faire les 2 canaux à 8 mégapixels. Si vous avez besoin de faire plus de caméras, c'est un choix que vous devez faire chez le client. On peut mettre plusieurs boîtes, dépendant de la qualité que vous en avez besoin. Très important, transcodage veut dire de changer la résolution et le frame des images qui sont dans le système chez le client à une autre résolution et frame rate. Ça, c'est le transcodage. Alors ici, comment on doit ajouter le box? C'est comme un appareil, comme on fait toujours. On va dans le site, par exemple, on clique sur un site qui est déjà dedans. Ici, on fait notre site à nous. Il y a déjà des appareils dedans. Et c'est une question, quand vous êtes avec HIC Pro Connect dans le réseau chez le client, de faire la détection dans le réseau même. À ce moment-là, il va détecter l'appareil. C'est un XVision, on sait l'ajouter. Deuxième manière que vous savez entre-temps, c'est de l'ajouter via le HIC Connect. On met le boîtier dans le HIC Connect et le client, il vous donne la permission de le connecter. Il y a une troisième manière de faire, c'est de réellement faire du port forwarding. Mais on n'est pas grand fan de ça parce que HIC Connect vous permet de travailler sans port forwarding. Comme vous voyez, on est en train d'ajouter chez le client dans le réseau directement le HIC Connect. On doit le vérifier, on doit donner le mot de passe. On fait prochain pas, next. On dit OK. Il est en train de vérifier s'il y a compatibilité, il est compatible et on fait hâte, on y est. Du moment qu'on a ajouté, le box est dedans. Ça veut dire que le box est ajouté dans le HIC Pro Connect et dans ce cas-ci, sur la manière qu'on vient de vous montrer, directement dans le système aussi. Mais il n'y a pas de caméra connectée encore. Ça veut dire que le box est chez le client, dans le réseau et il est connecté au HIC Pro Connect. On peut ajouter à ce moment-là du healthcare monitoring sur le box, mais le healthcare monitoring, on a déjà parlé de ça dans les autres sessions, on peut l'ajouter à ce moment-là. Ce qu'on a maintenant, c'est que le box, il est dans le réseau chez le client, on l'a dans le HIC Pro Connect. Du moment qu'on est là-dedans, on doit demander l'autorisation dans certains cas. Si le client a déjà donné, pas de souci. Si vous devez encore demander l'autorisation à ce moment-là, c'est une question d'aller dans le site. Choisissez l'appareil, dans ce cas-ci, celui-là, en bas, on voit qu'on n'a pas le Remote Configuration Active. On dit Apply, on demande la permission.
on va demander la permission dans ce cas-ci, mais on doit cocher l'appareil, ce qui est très important. Si on oublie ça, on ne va jamais le demander. On dit « Apply », le client sur son app, il aura un message. Comme ça, vous voyez qu'on s'est encore ajouté une remarque. « Ah, c'est moi, c'est le technicien, je veux avoir accès. » Et ça sera le pop-up dans le Heat Connect pour avoir accès. Le temps que vous voulez avoir accès, c'est à vous de choisir le client à dire oui ou non sur le temps que vous avez accès. À ce moment-là, on a ajouté le box et on peut le configurer. Alors, le client, il reçoit dans son Heat Connect app un message. Le message sera « Hey, vous voulez autoriser le gars du technicien pour avoir accès au box ?» Avant, le remote configuration n'était pas, vous ne savez pas le cocher, pas le cliquer. Maintenant, dans Heat Pro Connect, on sait faire le remote configuration. C'est très important à faire ces pas-là, parce qu'autrement, vous ne savez pas accéder à la configuration du box. Du moment que le box est installé, on va sur le customer site et on peut tester la bande passante. Ce test-là, on peut faire à distance. On va attaquer le box et on va demander au box quelle est la bande passante que vous avez. Si on va mettre des caméras existantes qui sont déjà dans le cloud ou il y a sur un réseau de société, on veut savoir quelle est la capacité. Alors, on clique le box, on va dans l'information en bas, il y a « test ». Du bande passante, on fait le test, il prend, on a un tout petit peu, augmenté la vitesse du petit film parce que ça prend environ 2 minutes ce test-là. Ce test, il va tester vraiment la bande passante pour télécharger les images localement vers le cloud. C'est très important à faire ce test-là parce que si ici, ça ne donne que 200 kilobits par seconde, oublie, ça ne va pas marcher. Alors, comment on va ajouter les caméras? Du moment où le box est dans le réseau, et dans le réseau, il y a des enregistreurs ou des caméras, on peut attaquer le box pour le configurer. On va de retour dans le box. On a eu, à ce moment-là, accès pour le configurer. On l'a demandé, on a accès. On tape là-dessus et on voit le menu à droite. Il y a Help Monitoring qu'on a mis dessus. Ce n'est pas obligatoire, mais le Cloud Storage est là. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de dire Edit. C'est de faire le lien entre les canaux et les caméras. Tous les appareils qui sont dedans, on peut déjà les voir. Ici, on va ajouter un canon. Ce qu'il va faire, c'est de dire, OK, je veux un canon. Automatiquement, vous aurez un pool d'un menu de toutes les caméras qui sont visibles dans le réseau du client. À ce moment-là, on peut choisir les caméras ou les NVR pour ajouter. Il y a mon collègue qui va faire une petite remarque là. En fait, ici, on voit que les systèmes qui sont dans le Heat Pro Connect. Donc, s'il y a un NVR dans Heat Pro Connect, on voit tous les canaux qui sont connectés sur le NVR, mais pas tous les systèmes qui sont dans le Heat Connect du client final. C'est tout. Ah, en effet, merci Jonathan pour l'intervention là. C'est pour ça qu'il est là. Une fois qu'on a activé, on a ajouté les caméras, on peut choisir les packages. Donc, on revient sur les packages de l'enregistrement dans le cloud. Chez nous, quand on achète une boîtier, il y a déjà 6 licences avec pour 7 jours de stockage pendant 1 mois. Ça veut dire qu'un mois, vous savez voir les images pendant 7 jours en arrière. Si vous activez sur un caméra 2 fois ces licences, vous aurez 2 mois la possibilité de voir 7 jours en arrière. On revient sur ce point-là tantôt. Alors, ajouter des licences, c'est le même truc que ajouter du healthcare monitoring. On va dans business, on prend mes services, si vous voulez voir vos services. Là, c'est question de choisir les licences que vous en avez besoin en cloud storage. Les prix, vous savez les voir online directement ou vous savez les commander chez votre distributeur. Dans ce cas-ci, on a déjà des licences qui sont dedans et on a dit, OK, on a encore 8 licences. Qui sont valables pour l'utiliser. On peut le mettre sur un cloud storage box et on peut ajouter. Quelle licence on a à ce moment-là? Et ça, c'est très important à comprendre. On a un paquet pendant 1 mois regardant 7 jours en arrière. On a un paquet pendant 1 an regardant 7 jours en arrière. On a un paquet qui te donne la possibilité pendant 1 mois de regarder 1 mois en arrière. On a un paquet qui vous donne la possibilité pendant 1 an de regarder dans 30 jours en arrière. C'est une question de choisir le paquet que vous en avez besoin. En général, si vous avez un contrat de maintenance, on prend un paquet d'1 an.
Comme vous voyez ici, c'est très clair. On a, à ce moment-là, on a des monthly package, on a used 10, on a utilisé mes excuses, on a encore 8 qu'on s'est activé. Alors, si on veut activer sur une caméra 8 mois, on peut activer ce paquet 8 fois sur la même caméra. Soyez conscient, le paquet de mensuel, vous ne savez pas le changer. Une fois qu'il est dédié, il reste sur les caméras et les Cloudbox. Alors, quelle est la distinction? Le Cloud Storage Box dans l'application du Connect, ça se ressemble à ça. Il y a tous les appareils dedans. Et comme vous voyez, il y a des Cloud Storage Box. Il y a ceux qui sont en gris qui ne sont pas online. Ceux qui sont en gris, il ne fait pas de souci. Les images sont dans le cloud. Ça veut dire qu'il n'a pas de réseau. À ce moment-là, vous savez voir aussi quel est le package qui est connecté. Le client, il sait voir ça. Il sait voir quel type d'autorisation qu'il a fait. Il s'est changé tout ça lui-même de son côté, de retirer l'autorisation. Regardons en arrière et téléchargez les images. Alors, le client, c'est comme un enregistreur. Vous allez choisir l'appareil. Dans ce cas-ci, on prend celui-là, c'est la caméra. Quand on tape dessus, on voit le live. On peut directement aller dans les événements, comme vous voyez en bas. C'est comme votre enregistreur, c'est le même principe. Vous avez les événements, vous cliquez sur les événements. On peut choisir à ce moment-là l'événement même. Et on peut même envisager d'exporter ces images. Soyez conscient que les images qui viendront du cloud seront à la résolution que vous avez choisie en option de le télécharger. Comme vous savez, on sait mettre 8 caméras à 2 mégapixels, 2 caméras à 8 mégapixels. Soyez conscient que cette résolution d'exportation sera le même truc. Une fois qu'on a choisi le clip, il va le mettre sur votre GSM ou sur votre tablette et vous savez télécharger le clip. Et voici le clip à ce moment-là que vous avez sur votre GSM. Et maintenant, une petite remarque de qualité de ces images qui est très important. En logique, le boîtier, on peut l'utiliser plein temps et d'avoir des caméras à haute résolution chez le client. Mais si vous avez des images exportées parce que l'enregistreur chez le client, il les voulait, mais le box est encore là, il a envoyé les images dans le cloud, la qualité est, comme vous voyez, à 2 mégapixels, assez fort. Ce qui est très important, c'est à 10 frames par seconde. Si vous voulez, je relance le film. Comme vous voyez, à 10 frames par seconde, c'est encore plus que convenable pour voir les gens et les mouvements. Alors, quand on active le Cloud Storage Box, on donne toujours 6 licences de 7 jours, regardant en arrière, par mois. Ça veut dire que tu peux mettre une caméra 6 mois dans un package. Pendant 6 mois, tu peux regarder 7 jours en arrière ou tu peux faire 3 caméras ou 4 caméras, à dépendant de vos besoins. Mais en tout cas, on vous donne pour un canot 6 mois, 7 jours d'enregistrement gratuit avec le box, déjà, quand vous l'activez. Maintenant, de retour vis-à-vis cybersecurity et tout ça. Dernière fois, on a fait la session il y a 2 semaines. On a parlé de ça. Alors, dans le cybersecurity, il y a tout un truc qui s'appelle RSA, AES, TLS, et en effet, sécurisé. C'est du HTTPS et c'est de l'encryption. Ça veut dire que tous les renseignements de A à B sont encryptés. Il n'y a personne qui sait voir ces images en dehors du client et vous, si vous avez les droits pour les voir. Un truc qu'on n'a pas dit la dernière fois, et je trouve ça vachement bien, on peut faire un firmware check online. Dans les outils maintenant, il y a Search for Important Firmware Updates. Vous prenez le numéro de série, vous savez chercher sur le numéro de série ou sur l'appareil même. Si vous êtes dans le LAN chez le client, il va vous dire cet appareil-là, il a tel firmware, et vous savez faire la recherche online directement. Ce qui est vachement facile parce qu'automatiquement, vous savez faire l'opération de faire l'upgrade aussi. Soyez conscient, le firmware check marche seulement quand vous êtes logué dans le LAN chez le client. Ne faites pas ça à distance. Il y a un white paper sur le cloud qui est pour l'instant en anglais, un guide pour tout le monde qui parle de sécurité. Si vos clients disent c'est sécurité, vous pouvez choisir de télécharger ce document et de donner aux clients pour dire quelles sont les sécurités qu'on utilise. De retour, SmartTrack, comme la dernière fois, allez-y, achetez-le. C'est très important de le tester. En effet, le boîtier à ce moment-ci, il est brut 200 euros. Parlez avec votre distributeur pour le SmartTrack. Il y a des remises là-dessus.
de 50% sur les participants du séminaire. Si vous avez des questions, on est encore là techniquement. Pour ceux, tous ceux qui ont suivi le séminaire, 18 novembre, il y a New Security à Louvain. Si vous y passez, de l'autre côté de la rue, à 6 heures, on a fait un tout petit peu un porte ouverte. Il y aura des mails qui vont passer chez nous à 6 heures. Et ceux qui vont s'inscrire sur la session du 18, c'est Open Session. Il y a des sessions ici, on peut voir. On prévoit aussi un barbecue pour ceux qui sont inscrits pour la session à Louvain du 18 à 6 heures. On démarre ici. Bonne journée et bon week-end. Dans les questions, il y avait une question. Quelle est l'importance du cloud storage? En effet, cloud storage, c'est bien pour plusieurs choses. Numéro un, si tu n'as pas d'enregistrement local, on peut envisager d'utiliser le cloud storage tant que tu as du réseau. Numéro deux, de plus en plus dans les petits shops et magasins, les retailers, les voyous, ils comprennent qu'il y a des caméras, ils comprennent qu'il y a un enregistreur, ils vont voler l'enregistreur avec les images avec. Alors, si vous prenez un site avec 10 caméras, c'est une question de prendre 4 caméras aussi, caméras dépendantes des besoins, et de l'ajouter dans le cloud storage. On a un client qui fait les voitures classiques dans un magasin. Il a eu un incendie, l'enregistreur est foutu, il n'y a pas d'image, l'assurance, oh, ça n'a pas marché. Maintenant, il va mettre partout des cloud storage box pour les 7 derniers jours, pour tenir ça pendant un an, 7 jours. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tous ces sites, les enregistrements et la sécurité est là, mais en cas de quoi que ce soit, il a encore les images live. Et c'est important de savoir que ces images sont accessibles tout le temps. Si, par exemple, on coupe l'Internet, vous aurez dans votre HeatConnect, LeakProConnect, système est offline. Mais si vous savez aller au moment même voir si à ce moment-là, il y a eu un événement sur les caméras qui sont enregistrées dans le cloud. Si quelqu'un a coupé l'Internet, on sait voir ça à ce moment-là s'il a dû rentrer. S'il y a des caméras à l'extérieur, on pouvait envisager de voir la caisse dans la rue où ils vont dedans et couper tous les fils de télécommunication. Alors, on a fait le cloud, c'est un backup en premier. En deuxième, on peut envisager de l'utiliser comme enregistreur plein temps. Bonne journée encore à tout le monde et bon week-end. À la prochaine.